de Sylvie Larrey. Donc, après ces nombreuses années à s'être fait demander une fête style en direct de l'univers, je me suis dit qu'il serait temps qu'on t'en fasse une. Question d'arrêter de se le faire demander subtilement. Mais bref, l'année dernière, le 11 mars 2020, c'était ta fête de 60 ans. C'était aussi la première journée officielle de la pandémie, ce qui fait que malheureusement, ta fête a un peu passé dans le beurre, comme tu viens de nous le rappeler. Alors, je me suis dit que cette année, on se reprendrait en grand. Alors, je t'ai préparé 4 sketchs style en direct de l'univers. Et ensuite de ça, je te réserve une panoplie de surprises. Donc, j'espère que tu vas apprécier. Puis, on se revoit à la fin de l'émission. Bye! Take numéro 500. En espérant que Raymond n'est pas tanné de m'entendre, c'est ce qui arrive quand tu essaies d'apprendre une chanson en une heure. Bref, je te donne le challenge de deviner qu'est-ce que je vais chanter juste en regardant mon outfit.
L'œuvre coalition de notre planète, c'est de pingouin. Donc, nous allons entrer dans une petite danse. Et ça s'appelle le pingouin. Elle est deux mains en l'air, elle remue les fesses, les mains sur les pieds, elle bouille sur les hanches, les mains en l'eau, les mains en bas, oui, tapez les pieds, et surf, 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 elle est deux mains en l'air, elle remue les fesses, les mains sur les pieds, elle bouille sur les hanches, les mains en l'eau, les mains en bas, oui, tapez les pieds et surf, surf, surf. Oui, comme vous le savez, les pingouins sont les comitants très sociaux de notre planète. Vous êtes ainsi. Je vois pas rien, là. Gilles, sont où mes lunettes? Ils sont sur ta tête, Sylvie. Pas encore. On va s'arranger le toupette, hein? Faudrait pas qu'il y ait un cheveu en l'air. Bon, OK. Je vois pas plus. Comment ça marche, ces affaires-là? C'est assez compliqué. OK, OK, je pense que je l'ai, là. Bon, on met-tu ma toune, les filles? Si vous voulez apprendre la danse à Sylvie Larrain, faites juste me suivre, il y a rien que deux pas. Mais ça, les filles, la partie est pognée. Chanson, je t'ai réservé quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus touchant. Une chanson que je sais que ça fait longtemps que tu aimerais ça que je la chante. Alors, je t'ai préparé un petit extrait. La voici. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me fight 'cause you believed I'm everything I am because you loved me. Ooh.
Je t'aime, Mom. Donc, pour le reste, je laisse place à tes amis, ta famille, qui ont su mettre ensemble des vidéos touchantes, drôles. Vraiment, je les remercie vraiment pour le temps qu'ils ont mis dans tout ça. Donc, relax, puis enjoy le show. Salut Sylvie! Eh oui, c'est moi Liloune. J'espère que tu vas bien. Lorsque Pascal nous a demandé de faire une petite vidéo pour souligner tes 61 ans, je me suis mise à penser à plusieurs beaux souvenirs. Entre autres, à toutes les fins de semaine où on allait rejoindre les garçons à Trois-Rivières pendant leurs études, là, et à toutes les niaiseries qu'on a pu faire. On a ri, on a pleuré, c'était vraiment des belles années. Je pense aussi au premier souper qu'on avait fait dans votre condo sur l'Angelier. On avait fait la fête, hein? On avait tellement eu de plaisir. Je me souviens, c'était le gros party à 4 personnes. On a eu aussi des belles rencontres au chalet de chez tes parents dans Portneuf. Ça aussi, c'était du gros plaisir. C'est sûr qu'il y a plein d'autres beaux souvenirs que je pourrais relater, mais que ça serait trop long aujourd'hui là, de raconter. Mais on peut dire qu'on a eu une vraie belle jeunesse et on a aussi une belle vieillesse car on est tous en santé. Il faut continuer de profiter de tous ces beaux petits moments de bonheur que la vie nous offre à chaque jour car nos années s'envolent rapidement. Lorsqu'on était dans la vingtaine, tu étais convaincu qu'on allait se côtoyer jusqu'à l'âge de 50-60 ans. Moi, je pensais pas que l'amitié pouvait durer aussi longtemps. Mais, vois-tu, l'amitié a eu raison. Alors, merci Sylvie pour cette belle amitié qui dure depuis 40 ans. Bonne fête et bon 61 ans. Et je te souhaite encore plusieurs belles années de bonheur, d'amour et la santé, bien sûr. Et j'espère qu'on va pouvoir se voir cette année en 2021. Alors, je te laisse là-dessus. Je t'aime. Gros bisous. À la prochaine. Bonne fête Sylvie, c'est Gégère. Comme tu sais déjà, nous sommes deux beaux petits poissons rouges, comme sur ma chemise. C'est pour ça qu'on se comprend bien. On n'a pas ben le choix, car on a deux bouches à nourrir. Un lion et un gémeau. Nous avons une longue amitié qui dure déjà depuis 40 ans. Merci d'être notre ami. L'an passé, le COVID de merde a tout fucké nos fêtes, surtout pour toi. Car Gilles a dû annuler à la dernière minute un gros party surprise. Finalement, la proposition de Mado, une semaine dans le sud en février 2020, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Que de bons souvenirs ensemble et plusieurs autres à venir si vous vous décidez enfin de prendre votre retraite. Bonne fête encore, puis on te réserve une petite surprise. Bisous. Hi, baby! Yo, yo! Bonne fête, Sylvie Laren! Happy birthday, Sylvie Laren! Ouais, ouais! Les années vont trop vite! The years go too fast! Ha, ha! Déjà 61 ans! Already 61 years old. Yeah. Regarde devant et non derrière. Look ahead and not behind. Love. On t'aime, Sylvie Laren. We love you, Sylvie Laren. Bye, baby. Bonne fête, Madame Sylvie! Comme tu peux voir, on vient de finir notre journée. Alors, c'est juste pour te faire un petit coucou, pour te dire qu'on a hâte de te voir. J'ai bien hâte de te revoir à l'école.
Bonne fête, Madame Sylvie. Puis tu vois, c'est ça, il nous manque toi à l'arrière-plan. Alors, on a bien hâte de te revoir. On pense à toi beaucoup. On t'envoie plein de belles pensées en ton jour de fête. Puis quand tu vas revenir, ben, on a bien hâte. J'espère qu'on va pouvoir sortir puis souper pour ta fête et nos fêtes tout en même temps. Oui, on s'ennuie de nos commérages. De nos commérages, oui, c'est le cas de le dire. On a besoin de quelqu'un pour commérer puis ventiler. Alors, j'espère que tu vas passer une belle journée de fête et à bientôt. À bientôt, Sylvie. Bye-bye. Bonne fête encore. Sylvie, Derek and I want to wish you a very happy birthday. Hope to see you and Jill soon. Looking forward to seeing you very soon. All the best. Happy birthday. Hey, salut ma tante Sylvie. On lève notre verre à ta santé. J'espère que tu profites de ta journée de fête, que tu te fais gâter par toute la famille. Nous, comme tu vois, on a décidé de partir en vacances à la dernière minute. Un peu comme toi tu le fais, là, sans le dire à personne, partir comme ça. Ben nous, on a décidé d'aller se faire griller dans le sud de notre lampe solaire. Exact. Fait que ça n'a pas été long préparer les bagages. Comme tu sais, nous autres, on voyage très, très léger. Alors, une petite valise, on remplit ça, bang, on est parti. Je sais que toi, des fois, c'est un peu plus long, mais bon, c'est pas bien grave. Fait que j'espère que tu profites de ta journée, comme nous, on en profite. On a beaucoup de plaisir. On a hâte de te voir. On est allé d'être dans notre petite bulle. On a hâte de partager ta bulle. J'espère que ça va arriver bientôt. J'espère qu'on va peut-être pouvoir se rencontrer un jour sous les chauds soleils du tropique. Fait qu'en attendant, ma belle Sylvie, laisse-toi gâter. Bonne fête. Bonne fête. Amuse-toi bien. On t'embrasse. Salut. Salut. Nah.
Bonjour Sylvie. Mon nom... Piaf, peux-tu arrêter 2 secondes, s'il te plaît? Là, les caméos, là, on ne se lave pas la caméra. OK? Non, il faut que tu regardes la caméra. Bon. Piaf. OK, on va faire avec. Bon, bonjour Sylvie, mon nom est Piaf. Je suis à moitié gremlin et à moitié obsédée de l'hygiène corporelle. Il y a un petit oiseau qui m'a écrit cette semaine pour me dire que c'était ta fête. Demain, je ne révélerai pas l'identité du petit oiseau en question, mais je dirai juste que son prénom commence par un P et qu'il chante très bien. Et c'est ça qui m'a dit que tu aimais bien les gremlins dans mon genre. Fait que je me suis dit que ce serait moi qui te ferais ta vidéo de fête. Donc voici chose faite. Je te souhaite une superbe journée demain. Et j'espère que ça va être le début d'une série de journées pas mal plus belles que celles qu'on a connues. Fait que je t'embrasse très fort puis je te souhaite une bonne fête. Bye! Allô, ma tante Sylvie! On voulait juste prendre quelques minutes pour te souhaiter un joyeux anniversaire. On a bien hâte de te voir, de passer du temps avec toi et la famille. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion cet été de se voir un petit peu. J'ai des petits cocos qui avaient quelque chose à te dire également. Bonne fête, ma tante Sylvie! Bonne fête, ma tante Sylvie! Alors, on te dit à bientôt. Gros bisous. Ouais. Bonne fête, ma tante Sylvie! Bon 60 ans! Mais non, Dieu, il vient d'avoir 61 ans. 61, pourquoi qu'on fait une vidéo de bord? Je comprends pas. Mais je sais pas. Ben bon, 61e quand même. Sylvie, on pense à toi, hein? On a hâte de te voir sans nos masques. On te souffle 60. Et une bougie. Salut. Bye.
Est-ce qu'on souhaite bonne fête à ma tante Sylvie? Dis bonne fête! Est-ce que tu dis allô? Tu fais-tu des allô à ma tante Sylvie? Fais des allô. Allô! Allô! Bonne fête, ma tante Sylvie! J'espère que tu as passé un beau week-end de fête, puis qu'on se voit bientôt! Bye! Allô, Sylvie! Bien qu'on se soit parlé cette semaine pour souligner ton anniversaire pendant un petit 2 heures, ben écoute, faute de pouvoir se voir en personne, ben ça nous fait plaisir de faire cette petite vidéo-là pour pouvoir au moins se voir virtuellement puis pour te souhaiter ben bonne fête. Bonne... C'est Sylvie, 1 an de plus, c'est pas bien grave. On est capable de monter 3 étages de plus sans s'essouffler. Puis en plus, ça nous permet de rester jeunes puis de faire un peu d'exercice. C'est ça. Puis tu sais, regarde, on n'est pas obligé de se mettre au tricot puis de jouer au bingo ou bien de jouer au bowling. L'important, c'est dans la tête. Il faut être jeune dans sa tête pour être jeune de cœur. Puis, ben garde, faire sa part, Sylvie, garde. On a bien hâte de pouvoir vous revoir puis en personne, ça serait plus le fun. Puis j'espère que ça va être bientôt. Donc, fais attention à toi, puis on te souhaite ensemble un beau bonne fête. Bonne fête. Bye. Bye. We are family. I got all my sisters with me.
si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le cinquième rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, ma haute robe sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir, y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Bonne fête, grand-maman! Je voulais juste te dire que j'adore ça quand tu me ramènes des boîtes du Costco. Et surtout quand tu t'assois sur le divan et que je peux marcher sur tes épaules. Mais mon moment préféré de la journée, c'est quand je saute dans ton lit à 4 heures du matin et que je me couche sur ton ventre. Brrr. En plus, après ça, tu te lèves et tu me passes ton bain de princesse. Y'a rien de mieux. Bonne fête! Miaou! Allô, maman? Je sais que mon vidéo va pas être aussi intense que Gervais puis Bernard, mais je suis pas rendu à retraite encore. Je vais quand même prendre l'occasion pour me verser un petit verre, te souhaiter une bonne fête et te remercier pour tout ce que tu fais pour moi et Pascal. Fait que cheers, bonne fête, en espérant qu'on puisse fêter ça bientôt en famille. Allô, c'est moi encore. Take two. Ça a l'air que mon premier vidéo était pas bon. Ça a l'air que j'ai de l'air constipé dans mon vidéo. Je pense pas que c'est possible que je sois constipé, mais en tout cas, je vais vous en faire un deuxième. Vous allez voir que je suis bon, j'ai beaucoup de talent. Dis-tu quoi? Quel amour t'a laissé tomber une autre fois? Dis-tu quoi? Que tout ton univers s'écroule autour de toi? N'oublie pas, il y a toujours de soleil après les jours de pluie. Regarde ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins doux quand on est en amour. Tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient. En bohème, tu erres dans la nuit apaisant tout ton chagrin. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas à être, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur est moins lourd quand on est en amour. Parfois, elle nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a toujours l'avenir. C'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton nid.
ouvre grand ton cœur. Ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Tout le monde ensemble, ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Laisse pas passer la chance d'être aimé. Tout le monde ensemble. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. À Sylvie, merci tout le monde pour des beaux vidéos. J'espère que tu as aimé ça. Pour ma part, j'ai la toune dans le direct de l'univers pognée dans la tête solide. Mais je voulais juste prendre quelques secondes pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous au courant des années. C'est grâce à toi, si Marc et moi, on était des bébés toujours à la mode, des bébés toujours bien habillés avec des petits kits. Merci de m'avoir offert mes années de patin. Entre autres, de m'avoir laissé patiner pour l'équipe de Gold Ice. Je sais que c'est une décision qui n'était pas facile. J'étais souvent partie et puis ça a dû coûter un bras et une jambe pour le gaz que ça prenait pour se rendre aux nombreuses pratiques. Mais c'est aussi les moments les plus précieux que j'ai dans ma vie jusqu'à date. Et puis, ce sont des souvenirs que je vais garder jusqu'à la fin de mes jours. Je voulais aussi te remercier de m'avoir soutenue et encouragée à travers mes nombreuses années d'études qui ont mené à la belle vie professionnelle que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est en partie grâce à toi. Je t'aime et j'ai hâte qu'on puisse se réunir en famille et en amis à Chandos ou n'importe où d'autre. Après, bonne fête! Bonjour Sylvie, j'espère que tu passes une belle journée en ce 11 mars 2021. Étant donné que la belle grosse fête que j'avais organisée l'année dernière pour ton 60e anniversaire n'a pas pu avoir lieu à cause de la COVID et que cette année, les choses ne sont toujours pas mieux, Pascal a eu la belle initiative de faire un petit vidéo pour fêter tes 61 ans. J'aimerais en profiter pour te souhaiter un bon anniversaire et te laisser savoir que l'on t'aime. Je sais comment tu penses à toi avant tout le monde. Je sais comment tu penses à toi avant tout le monde, mais tu penses à toi avant tout le monde, tu penses à toi avant tout le monde, mais profite des deux prochaines semaines à Saint-Sauveur pour te reposer et faire ce que tu aimes le mieux. Mais s'il vous plaît, arrête de peinturer. Bye, je t'aime.